retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo se maquiller en 5 minutes. On reprend. Pour celles qui ne savent pas, les vidéos se maquiller en 5 minutes ne durent pas techniquement 5 minutes. Ça se saurait hein, si je savais faire des vidéos de 5 minutes. C'est toujours pas le cas. C'est une façon... Enfin, je vous montre comment vous maquiller pour un thème précis. Assez rapidement. Généralement, ça dure entre 5 et 10 minutes. Là, c'est pour une soirée, donc forcément, c'est un tout petit peu plus long. Mais quand je trouve que je me suis pas mal débrouillée, on verra le montage. Oui, il y a une autre option que celui-ci d'Anastasia, qui est d'Anastasia. Bien entendu, je vous ai mis une autre option de rouge à lèvres. Je ne pouvais pas vous parler que de lui, même si je l'aime beaucoup. Je sais qu'il est difficile à porter, donc oui, il y a un autre rouge à lèvres que je vous propose de porter à la fin du make-up. Je vous laisse d'ailleurs regarder tout ça et on se retrouve juste après. Donc, je vais m'attacher les cheveux pour éviter de les avoir devant les yeux. J'ai refait ma couleur, donc c'est normal si j'ai des taches violettes. Je vais exceptionnellement commencer par le teint, parce que comme le thème, c'est quand même pour une soirée, on va faire un peu de baking. Donc je maquillerai mes yeux pendant que la poudre du baking posera. Pour mon teint, je vais commencer par le fond de teint de chez Shuemura, le light bulb que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal ressorti là en ce moment. Je vais l'appliquer avec un Evo 001, donc les dupes des artistes. Tout ça, je vous remets les vidéos dans la barre d'infos, mais je vous les ai déjà présentées, je vous ai fait les revues et tout ça, et tout ça. J'ai appliqué à peu près l'équivalent d'une pompe sur ma brosse, et je viens l'appliquer. Donc j'adore ce fond de teint parce qu'il est modulable, et en fait, il est hyper agréable pour la saison. Là, l'hiver, automne-hiver, quand il commence à faire froid. La matière, si vous voulez, est crémeuse. Après, il n'est pas du tout épais comme un fond de teint crème. Mais c'est un fond de teint liquide, la matière est épaisse, il ne peut pas du tout briller ou quoi. D'ailleurs, il est très bien pour les peaux mixtes. Il finit d'hydrater un petit peu ma peau. Voilà, normalement, il se pose avec l'éponge qui est fournie avec. Et que moi, j'ai oublié là-haut, de 1. Et puis, franchement, j'aime bien avec cette petite brosse-là. Donc, ça suffit, je trouve. Je vais appliquer mon anti-cerne, effectivement pour faire le baking c'est mieux. Donc je vais prendre celui de Too Faced, je vous en ai toujours pas parlé plus que la dernière fois que je venais de l'acheter. Parce que j'arrive pas à me faire vraiment une idée dessus. Il est pas bien, mais il est pas hyper bien non plus quoi. Il est très léger, il faut absolument le poudrer, donc c'est ce que j'ai avec le Sephora. Sauf que le Sephora, en fait, je le trouve plus couvrant et plus joli et plus naturel. Lui, je trouve qu'il rentre encore plus dans les plis que le Sephora. Voilà, et la contenance... Non, par contre, je crois que la contenance est bien. Je crois que la contenance est pas mal... Ouais, 7 ml. Donc, pour le prix, la contenance, ça va, contrairement au Sephora où c'est du gros foutage de gueule. Mais je l'ai toujours pas terminé parce qu'il est couvrant, donc il en faut pas beaucoup. Donc, je sais pas, je suis un peu toujours encore dubitative, donc quand je me serai fait un vrai avis, je vous en reparlerai. J'aime pas trop vous parler des produits quand j'ai pas encore de vrai d'avis complet. Pourtant, je l'ai utilisé 15 fois au moins, hein, mais bon. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau, donc c'est aussi comme un artiste, mais celui-là c'est le MAC, et il est plus petit, donc il est bien. Il a un effet très naturel, ça ne peut pas lui enlever, mais si vous avez une ou deux ridules de déshydratation sous les yeux, comme moi... Il va rentrer dedans. Et pour les jeunes filles, il va être très très bien. Donc je prends ma poudre libre Benai, la Pretty Pink, puisque à moi la banana c'est vraiment trop jaune pour ma peau. J'en ai mis dans un petit truc, parce que sinon le bouchon ça va pas. Je prends un beauty blender humide évidemment hein, pour le baking. Je vous remets, c'est pareil, ma vidéo du baking machin. Et je viens l'appliquer en grosse quantité. Donc oui, vous perdez un peu de produit, mais... bon, déjà les Benai, le truc est énorme. Et ensuite c'est ça qui va faire toute la force du baking. C'est que pendant la pose de la poudre, elle va cuire. Et donc ça va tenir. Et là en plus pour ma carnation à moi, le rose comme ça, ça va illuminer. Donc c'est top. Donc partout vous avez mis de l'anti-cerne. Alors moi ça va me faire double emploi là, puisque vous savez d'habitude j'ai l'habitude de faire mes yeux après pour pas qu'il y ait de chute. Et en fait là si vous voulez je vais en remettre même encore un peu. Si vous voyez, sinon ça a déjà béqué un peu. Pour être sûr que j'ai pas de chute et que ça nique pas le teint, parce que là sinon
il va pas être contente. Je vais donc passer aux yeux. Je vais commencer par, donc là il faut que ce soit rapide, sinon ça se fèderait pas ce maquillage en 5 minutes. Donc on va faire un truc assez soft mais qui en même temps va pour une soirée, et là j'avais très envie de miser beaucoup sur les lèvres. Donc je vais prendre le Paint Pot de MAC qui s'appelle Stormy Pink, qui va et me servir de base et de couleur. Donc c'est un vieux rose grisé que je vais appliquer un peu partout en remontant un petit peu aussi, et je le fonds au doigt. Ensuite je vais prendre ma Naked Ultimate Basics que je ne quitte plus mes amis, je l'adore. Je prends ça avec un pinceau plat un peu plus fluffy, donc ça c'est celui de la Naked 3. Et je vais prendre le fard Commando pour commencer qui est là, donc le troisième de la première ligne. Et je vais venir l'appliquer un peu partout. Qui va finir de finaliser Stormy Pink que j'ai déjà mis. Ensuite je vais prendre Tempted qui est ici, avec lequel je vais intensifier le creux. Donc là je peux le faire avec le même pinceau. Ensuite je vais prendre le fard Létal qui est juste là, avec donc le côté plat cette fois. Je fais attention parce qu'il est très pigmenté. Et je viens le poser dans le coin externe. Je remonte vers le creux par petits mouvements, et je viens aussi le poser en coin interne. Je prends un petit pinceau estompeur, j'estompe très légèrement le coin externe, un peu moins légèrement mais quand même le coin interne. Je n'oublie pas de rejoindre sans retremper mon pinceau les deux côtés. Je ne retrempe pas le pinceau parce que comme ça nous évite d'estomper 3 heures comme c'est un fard très pigmenté et très foncé. Et ensuite je viens prendre ma palette Niki Tutorials et le fard qui est juste là, le Sugar Cut, qui est un rose pailleté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un spray fixateur, je vais en mettre un peu sur ma main. Je vais faire comme avec la Moon Dust. Je vais juste trempoter mon doigt. Voilà. Prendre le fard avec mon doigt. Alors, hop. Voilà. Et je viens le poser au centre de ma paupière. Puis, je floute. Parce que sinon, c'est moche. Vous voyez, là, ça fait dégueulasse. Dans ma Naked Basics avec un pinceau boule propre, je viens quand même reprendre le Instinct que je viens remettre dans le creux pour finir d'intensifier. En fait, c'est pas d'intensifier plutôt, c'est de creuser afin que le centre de votre paupière ressorte plus. Et donc les paillettes, et donc la lumière, et donc votre iris. Donc surtout je reste dans le creux pour pas trop descendre et pour pas trop éteindre Sugar Coated. Voilà. Je vais juste prendre, donc toujours à la Basics, le fard Nudie. Je le mets pour nettoyer par ici. Et je mets le fard Blow, donc qui est le premier là, juste sous la queue du sourcil pour apporter de la lumière. Je vais venir faire mes sourcils avec le cabro. Pendant ce temps-là, ma petite poudre prend, continue de prendre, toute seule, comme une grande. Je viens préparer mes lèvres avec le Glam Glow Matte, dont on parlera bientôt, qui est un soin repulpant pour les lèvres mates. Il y en a un brillant aussi, si vous voulez. Par contre, ça pique de ouf, ça arrache sa mère, hein, je vous le dis. Donc, voilà, si vous aimez pas quand ça pique, oubliez, ça pique très fort. On va venir estomper cette poudre avec un pinceau propre, assez précis et un petit peu dense. Donc, on passe tout doucement. Et vous voyez que c'est lumineux. Donc, en fait, il faut le faire
en douceur, mais en même temps avec un petit peu de force, parce que sinon il y a trop de poudre qui reste. Mais il faut pas y aller comme une bourrine non plus, comme si vous appliquez de la poudre normale partout. Je vais prendre un petit pinceau tout biseauté. Je vais revenir mettre l'étale en coin interne, mais côté rétine inférieure. Estomper avec un petit pinceau très court. Donc là, on peut revenir vers l'intérieur de l'œil. Et ce petit truc, je viens finir de le fondre. Allez, je reprends mon pinceau très court. Et je reprends ce petit fard devant lequel je suis en amour, cette espèce de vieux rose. Vous voyez, même en le poudrant, il est rentré dans les plis de Too Faced. Il est rentré le coquinou. Je vais mettre un peu de colle prune de Laura Mercier en muqueuse. Donc c'est du prune. Donc ça va intensifier, mais sans trop casser comme le noir. Voilà, le glam glow il pique de ouf, ça me fait un truc de malade. Ensuite, je mets mon mascara Velvet Noir. Je l'ai racheté. Déjà, l'autre, je l'avais presque terminé. Mais incapable de vous dire ce que j'en ai foutu. Je l'ai perdu. Donc voilà, je sais pas où il est. Mais de toute façon, il en restait presque rien. Et donc, j'ai fait 3-4 jours sans lui. Autant vous dire que bah, j'ai pas résisté. Je suis allée le racheter quand Baptistina était là. Parce que je l'aime tellement que voilà, j'ai pas pu me passer de lui. C'est pour une soirée, donc un petit peu en bas aussi, doucement. On va finir le teint avec, en premier, un bronzer. Dans ma Niki Tutorials, mais vous le retrouvez n'importe où, le Chocolate Soleil de Too Faced. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai enlevé ma poudre parce qu'il a une pointe, qu'il est biseauté. Donc toujours pareil, en 3, vous me connaissez, pas de contouring de ouf, de machin, de truc. Surtout pas pour un maquillage en 5 minutes, on réchauffe juste son teint. J'adore ce bronzer. Comme blush maintenant, on va mettre un blush Benefit. Donc c'est dans la palette Chicatone, mais c'est tout leur blush, donc vous pouvez bien entendu le retrouver en mono, en full size. Et donc moi je vais mettre le Rocateur. Avec un petit pinceau à blush qui est trop mignon. Hop. Hop là. On a déjà poudré avec le baking, donc je passe directement à l'highlighter. Je vais mettre la merveille pour vous la montrer, oui, oui, oui. Le blush Victoria Beckham et Estée Lauder. Vous remarquerez que celui-là, il reste dans sa boîte. Hein. Si vous l'avez raté dans mes favoris. Tchalala ! Je prends un petit pinceau duo fibre. Et là, magie. La merveille. J'y vais doucement parce qu'il est ultra pigmenté en réalité, ce truc. C'est pour ça que j'y vais spécialement avec ce petit pinceau-là. Qui dépose pas grand chose. Donc des fois c'est bien d'avoir des pinceaux qui déposent pas grand chose. Et j'espère que vous voyez quelque chose. Et je me trouve hyper blanche dans le retour. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. Si vous me voyez très blanche, je suis désolée. Pour les lèvres, comme d'habitude, je vais vous montrer deux choix. Mais pas comme d'habitude parce que je vais pas vous montrer de nude. Parce qu'en fait j'ai très envie d'un rouge à lèvres, de porter un des deux que je vais vous montrer là. Voilà. Mais dans les deux cas j'avais très envie de couleur en fait. Donc je vais vous montrer deux choix qui flashent. Le premier vient de chez Etam. Et c'est le 05. C'est les portes baisées. C'est un fuchsia framboise. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres de chez Etam. Ils sont à tout petit prix, ils sont géniaux. L'embout est très bien et tout, ils tiennent des heures et des heures. Et j'adore cette couleur. Et là voilà, je le trouvais très joli et adapté avec la lumière qu'on a sur les yeux. Mais celui que je voulais porter absolument, c'est le Potion. J'avais tellement envie de mettre Potion. En fait, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Depuis qu'Anastasia est arrivée en France, j'hésitais à me prendre avant sur le site. Et puis je me disais quand même, c'est foncé, c'est gris, c'est bleu, c'est ce que je vais le mettre et tout. Et en fait, il est trop beau. Avec lui, je vais rajouter une pointe d'highlighter. Donc juste avec mon doigt, voilà, pour apporter un peu de dimension à mes lèvres. Parce que sinon, comme il est hyper foncé, je trouve que ça le fait pas. Donc, il est foncé, hein, mais il se porte en soirée. Pour voilà, mais moi je l'adore, franchement je le trouve trop beau. Avec ce maquillage là je trouve que ça va, mais effectivement c'est vrai que c'est pas le plus portable de tous ceux que j'ai et que je vous présente. Mais en tous les cas le reste du make-up vous pouvez le porter avec le rouge à lèvres que vous voulez, du nude, du violet,
plus clair, du rosé, du beige, du marron, ce que vous voulez, ça ira avec tout. Donc voilà, vous avez vu, c'est relativement simple à réaliser, le plus long en fait étant le fait de faire le baking, parce que ça prend un petit peu de temps de préparer. Mais en fait après les yeux c'est super rapide. Le Sugar Coated de la Niki Tutorials m'a bluffé, parce que vous savez c'est celui que je vous disais qui faisait pas mal de chutes, et en fait utilisé comme ça au doigt avec de la brume fixatrice, il est parfait. D'ailleurs c'est très bien parce que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait fixer. Oui, on va le faire ensemble, voilà. Parce qu'on a mis la poudre, donc j'avais pas de poudre à remettre, donc j'ai oublié. J'ai acheté ce petit truc qui va avec ma poudre Beauty Amplifier, voilà. Et écoutez, en fait, j'allais acheter la brume de Smashbox, qui est géniale à ce qui paraît. Et j'ai vu le prix, et j'ai vu le prix de ça, sachant que ça, la poudre est géniale. Je vais commencer par ça. Donc vous fixez, parce que c'est une soirée quand même, le but c'est que ça tienne. Oh, comment j'ai oublié de fixer, je l'avais sorti, je m'en suis servi, je suis une quiche. Non, franchement, dites-le moi quoi. Je suis nulle. Pour le potion, je l'adore. J'adore sa couleur. Par contre, juste petite précision, il faut que je vous le dise, c'est le seul Anastasia qui m'a déçu un petit peu. Parce qu'il fait des trous. Donc là, j'en ai quand même mis pas mal et j'ai bien travaillé. Donc ça va, on arrive à pas voir grand chose. Mais je vous le dis, il fait des trous. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai retravaillé. Et là, à force de parler, ça m'est arrivé de le mettre pour sortir, bien sûr. Mais j'ai toujours sur moi celui-là. Parce qu'il est très... très chiant, voilà. Mais il est beau, mais il est chiant. Et oui, c'est comme ça avec les mecs des fois aussi. Il est beau, mais il est chiant. Mon mec, par exemple. Bref, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu, que voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à ma place, quel rouge à lèvres vous avez préféré entre les deux que je vous ai présenté. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye bye! Tu es beau, mais tu es vilain, regarde. J'ai pensé à toi toute la journée j'ai eu envie de te mettre. Cette phrase est très bizarre. Et toi, tu fais des trous. Non, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Par. C'est comme ça qu'on fait, hein, les youtubeuses. Si vous croyez que quand on enlève un rouge à lèvres rose, c'est nickel tout de suite, c'est pas vrai. On vous ment. On rajoute un peu de fond de teint.